Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est mon filmateur bien sûr. Donc c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on est sur une vidéo Pokémon Go. Pas n'importe quelle vidéo. Bon, je sais que ça fait un bail que j'ai pas fait de Pokémon Go, je sais que Pokémon Go. Pour moi, même en regardant les vidéos que j'ai regardées sur YouTube, j'ai arrêté de regarder Pokémon Go. J'ai eu pas mal de nouveautés que j'ai pris en cours. Que j'ai examiné, que j'ai appris, que j'ai... Voilà, j'ai regardé aucune vidéo. Donc là, ça va être surtout une vidéo évolution. On a peut-être plus de vidéos sur ce chemin, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Donc, c'était surtout pour ça. Donc, on se retrouve tout de suite. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go. Donc, pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo évolution. Je pense que depuis le temps... comme vous voyez, j'ai pas mal évolué depuis ma dernière vidéo Pokémon Go. Je crois que j'étais niveau 25 ou 26. Et là, je suis déjà niveau 27. Et presque même 28. Et comme ça doit être la suite, logiquement, j'ai beaucoup de Pokémon à faire évoluer. Donc comme vous voyez, j'en ai pas mal. J'en ai presque 300 déjà sur 450 places. Parce que j'ai dû racheter plusieurs trucs. Donc on va se faire... De Tortank, donc comme vous voyez, parce que j'ai beaucoup de bonbons de Tortank, donc on va se faire d'un de Carapuce. On va se faire deux d'évolution Tortank Carabaf. Donc ça va parce que j'ai un qui a un bon niveau, il me semble, et l'autre il a des bons IV. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de Pokémon Go comme ça en vidéo. Donc tac, nickel. Niveau 800, donc merde, quel con. Donc on va le faire évoluer en Tortank tout de suite. Après, je ferai monter de mon côté celui qui a des bons IV. Mais il me semble que c'est celui qui a un niveau pas terrible, terrible. Voilà, Tortank, je ne l'avais pas dans mon Pokédex, donc c'est parfait. Bon, on s'en fout. Donc voilà. Donc aussi, je suis en train en ce moment, mais bon, je peux pas vous le filmer parce que j'ai pas de capture board. De remplir le Pokédex de Ultra Lune, en tout cas pour l'instant. Après, il y aura certainement Ultra Soleil qui va venir derrière. Mais voilà, en gros, je suis en train d'essayer de remplir le. Ah, il y a un Pokémon derrière. Parce que je vous ai pas montré. Si, je vous ai plus ou moins montré. Je sais pas si vous avez aperçu qu'il y avait un gros don, un Pokémon d'arène. Vraiment, mais ces Pokémon-là, ils sont vraiment atroces à battre. Ils sont très compliqués. J'ai essayé une fois, mais j'étais seul, donc seul, on peut pas faire grand chose. Donc voilà, j'ai deux Tortank, donc plutôt pas mal. Reptancel, je veux pas, et Bulbizarre non plus. Donc comme vous voyez, ça va pas trop pour tout non plus. J'ai pas mal de Pokémon qu'il va falloir que je vire, je trie par rapport à leur CV. Bon, j'ai beaucoup de Pikachu parce qu'il y en a avec des charbons, etc. Enfin, tout bordel. Marqué comme lui, elle dit Houst. Merde, je sais pas ce que j'ai pas lu, c'est pas grave. Raph Lysien, je crois pas. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je crois que lui il était à faire évoluer aussi. Il me semble que c'est un bon IV. Parce qu'il me semble qu'il sort d'un œuf, si je me trompe pas. J'en ai juste 50 en plus, donc voilà. Tac tac. Donc après, on passe à la suite. Qu'est-ce que je voulais... Non. J'en avais... Je crois que le Nosferaptic que j'ai là, il a un bon niveau. Mais je suis pas sûr. Ah, on va se faire le Abra là. Un Alakazam. Je ne l'ai pas non plus. Donc on va se compléter ça. Donc on va se faire première G, 2G, 3G. Normalement, il va y avoir des 3. Donc voilà, un Alakazam. Un Kadabra plutôt. Pourquoi dire? C'est vrai qu'à l'époque, Alakazam pour moi c'était Akadabra, je sais pas pourquoi. Donc voilà, on fait évoluer. Alakazam, je ne l'ai toujours pas. J'ai failli l'avoir une ou deux fois, mais bon. Voilà.
J'ai pas de tartare. Genre si j'ai assez de bonbons pour refaire un tartare, parce que je l'ai pas encore débloqué. Ah oui. Je vais attendre un peu pour faire le tartare. Je vais faire aussi un roi gada. Il est pas bon, il est pas un bon IV. Mais bon, il a des bons PC par contre. Je ne l'ai pas non plus, roi gada. Ce sera mon premier. Mais j'ai beaucoup d'objets là maintenant. Parce qu'en faisant tourner un Pokéstop par jour, j'espère que ma voix ça vous... Parce que j'ai un peu la voix enrouée, on va dire, je suis un peu malade. Donc voilà. Tac tac tac, donc on en est pas mal au final. Je pourrais faire un Dodrio. Je pourrais même faire un autre Lamantine. Non, pas encore. Quoi que si. Virer ça et on peut se faire un Lamantine. Donc j'ai quelques Pokémon qu'il faut que je remette en soins et tout, mais c'est parce qu'en fait je manquais de soins. J'ai fait beaucoup d'arènes et en gros j'ai pas pu les soigner, etc. etc. Donc c'est surtout pour ça que je n'ai pas j'ai pas ce qu'il faut. En fait. Ben, ils sont un peu pas très en point, on va dire. Donc voilà, tac tac. Nickel. Donc j'espère que cette petite vidéo Pokémon Go vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vrai que je me concentre pas trop sur la caméra parce que je suis bien concentré sur mon téléphone. Voir si je loupe pas des trucs. Est-ce que... on peut parce qu'il me semble qu'il a des bons IV lui. Allez, on se fait un petit ectoplasma. Donc ça va être vraiment une vidéo méga évolution, parce qu'il va y avoir beaucoup de très grosses évolutions quand même. Parce qu'il y a eu deux Tortank, deux... ah, il y a encore un Pokémon. Il y a eu deux Tortank, deux... un Ectoplasma. Attendez, je vais voir ce qu'il y a. Ok. Donc il y aura dans la prochaine évolution Tartare et Tarpo. Non, j'ai tout ce qu'il faut pour faire évoluer tous les Pokémon possibles et inimaginables. Il ne manque plus que les bonbons. Par exemple, pour la peau métal, j'en ai pas mal aussi. Oh, Mangriffe. Je crois que c'est ça, hein. C'est Mangriffe qui s'appelle. Makuhita. Oui, mais je vais pas m'emmerder. Hop. En joli, donc voilà, moi franchement je vais pas être plus voilà, mais j'espère pouvoir faire vraiment beaucoup plus de vidéos en 2018. Après c'est vrai qu'en règle générale je suis quelqu'un là, je suis vraiment assez occupé parce que voilà, en gros et oh oui, il y a Groudon, mais Groudon il est imprenable. Bon bah je peux pas prendre lui. Bon. Donc on va passer à la suite. Donc tac 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 tac. Est-ce que je peux... jolie fleur, c'est dans la... Bah non, non, c'est bon. Je verrai avec les IV et selon les IV, je verrai... Parce qu'il me semble qu'il y a jolie fleur dans la 3G, hein, si je me trompe pas. Donc on verra, mais c'est possible qu'il y ait un jolie fleur qui pointe le bout de son nez bientôt. Donc est-ce que... Ouais, il y a un petit Crustabri aussi. Allez. Je sais pas ses IV à lui, j'en sais rien du tout.
Donc voilà, on a un petit crustabri en plus. Qu'est-ce que... Ah oui, l'ectoplasma. L'ectoplasma. Parce que c'est vrai que, bon, après, j'ai des Pokémon qui sont pas non plus ouf, mais j'ai des Pokémon qui sont comme ils doivent être, presque. D'ailleurs, si vous voyez beaucoup de buée derrière, c'est un peu normal. Je pars, la voiture est entièrement fermée, donc c'est un peu normal. 1500. Oh, yeah, bitches. Pardon. Donc, aussi, c'est vrai que j'ai vu, il n'y a pas très très longtemps, en fait, ils ont rajouté l'effet de la météo. S'il pleut, il y aura plus de Pokémon. Oh, et d'autres Pokémon, ça dépend des fois, c'est d'autres, ça dépend des Pokémon, des fois. Des fois, il y a d'autres Pokémon, je vais voir. Je vais pas vous faire de dessin. Donc, voilà. Et depuis que... en fait, au final, donc... Ces Pokémon, cet effet de météo permet de rendre aussi les Pokémon plus puissants et d'avoir des Pokémon de l'espèce qui donc on va pas faire de Léviator parce que j'ai pas les bonbons. On va se faire 3 Evoli pour essayer d'avoir Mentali parce que je l'ai pas encore. Je sais pas, il n'y a pas un Evoli qui évolue dans la 3, dans la G3, je sais plus. Pyroli. Donc ça tombe bien parce qu'en fait c'est que des bons niveaux, donc je pourrais supprimer les moins des bons IV. Voilà. Donc 1700 pour lui. Donc hop, lui aussi c'est un bon IV. Il me semble, ben pas aussi bon que l'un de ceux que j'ai qui a 97% d'IV, mais on est pas mal. Donc j'espère que vraiment ça vous fait plaisir d'avoir autant d'évolutions en un coup, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, mais ça fait un moment que je me retiens de faire évoluer certains Pokémon. À dire plus ou moins, parce que c'est vrai que après ça me retient pas non plus, hein. Mais on va dire que grossièrement, je me retiens un petit peu. Et lui, on le fait évoluer pour le fun. Allez hop, parce qu'il me semble que lui, il n'a pas des super IV. Parce qu'en gros, souvent, je trie mes Pokémon par IV, en fait, pour essayer d'avoir des meilleurs Pokémon possibles pour faire des arènes. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que je fais beaucoup d'arènes, vu que les arènes ont une utilité maintenant. Elles te donnent des Poképièces. Voilà. Donc, un Voltali. À 1300, ok. Donc je crois que j'ai eu tous les Voltali, hein. On a les premiers I. Donc je pourrais faire évoluer pour Rigon, oui. Mais j'ai pas les bonbons qu'il faut. Donc voilà. Si quelqu'un veut me les donner. Donc alors, eh merde. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Florisson? Non, pas passé de bonbons. Macronium. Ça, c'est que des Pokémon que j'ai capturé en arène. J'en ai pas capturé des milliers, mais les starters sont plutôt faciles à mettre en... Norfang, j'avais trop de bonbons pour lui, mais je veux pas le faire évoluer. C'est quelqu'un... Là, c'est un Pokémon que j'aime pas. Non, pas que j'aime pas, mais que il me saoule. Donc, des mélos, j'en ai un paquet aussi. Ils sont forcément de bonne IV, c'est des Pokémon... œufs, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on va... Un petit Snubbull, je crois, non? Non, pas encore Snubbull. Attends, lui, je crois que je peux le faire évoluer. Non, pas non plus. Oh. Je vais pas vous faire un marque à crin, quand même. Bon, pas marque à crin. Donc, Umbrilex. Non, pas Umbrilex. Parce que j'ai déjà un Impact, mais l'Impact, en fait, il est pourri. Poussiéfeuille. Poussiéfeuille, je pourrais le faire évoluer en Galifeu. Mediana, non plus. Putain, mais merde. Par contre, lui, c'est sûr, je peux vous le faire. Zigzagton, en... à évoluer. Voilà. En Linéon. Donc là, on est déjà pas mal. Ça fait combien de temps que je suis là? Ça doit faire un quart d'heure déjà de vidéo.
Pardon, je suis vraiment en train de passer une crève là. Donc on arrive, hein. Franchement, je suis bien implanté dans le truc. Merde. Donc comme vous voyez, j'ai pas mal d'œufs. D'ailleurs, j'ai un œuf de 10 là. Il est beau. Merde. Alors, est-ce que je peux faire ça, mais d'une traite? Non, je n'ai pas. Non, je peux pas. Une granupio? Non plus. Très sale? Non plus, j'en ai eu qu'un de son très sale. Paracool? Non plus. Makuita, par contre, là, je peux pas non plus. C'est quoi ces conneries? Et pourquoi je peux... Ah oui, parce que c'était déjà à fond, quoi. Il me manque combien là? J'ai 30, donc il me manque encore 20. Bon bah pas de Makuita non plus. Donc on va avoir un Delcati, si je me trompe pas de nom. Il me semble que c'est ça, c'est Delcati le nom d'évolution de Skitty. Donc pas, je sais pas trop, je sais plus si c'est des bons IV ou pas. Je crois pas parce que je viens... Non, je l'ai pas eu aujourd'hui celle-là. Donc voilà, on va continuer un peu. Ici c'est ça, Delcati. Voilà, donc on reprend. Tac, 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 tac. On en était où? Voilà, donc j'ai un Delcati. J'ai Mistambul, donc avec des bons IV forcément, parce que c'est un Pokémon d'arène. Il me manque un peu. Il m'en manque 9. Dames. Donc j'ai beaucoup de Roselia. Je vais en supprimer un peu. Des Barloches. Je suis pas loin d'avoir Barbichon. Là, on va arriver sur du lourd. Donc il y a Polychambre. On le fait évoluer. J'ai pas mal de bonbons. Juste 360. Hein. Période d'Halloween. Vous voulez que j'ai tous ces bonbons. Bah oui, parce que des pollutions pendant la période d'Halloween, je vous dis, j'ai dû en capturer un paquet. Donc voilà, on a un Barnett, en bon niveau en plus, d'un bon IV. Un petit Barnett. Un petit Skelerex. Skelerex. Plutôt. Pour la suite, Skelerox plutôt, excusez-moi. Lui par contre il a pas un très bon IV. Mais bon, ça suffira, hein, on va dire. Pour avoir je sais plus comment il s'appelle, Colorior. Non, c'est pas ça. Si, c'est Colorior, je crois. Je sais plus. Ah non, Terraclub, je sais pas pourquoi Colorior. Je sais pas, mais Colorior c'est aussi un... Oui, c'est un autre Pokémon en fait, je me suis gouré, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Je pense, surtout au meilleur. De là, je dis pas que je suis le meilleur. Hein. Gloopty, normalement je peux le faire évoluer, non? Ouais, je peux faire évoluer Gloopty. Allez, on est go pour le Gloopty. Je sais pas si c'est un bon IV, je m'en fous là, parce que c'est des Pokémon que j'ai pas préparé du tout, que je ne savais pas ce que j'allais faire évoluer. Parce que ceux-là, pour moi, ceux des Pokémon, bon, pour l'instant, on les fait évoluer, on les inscrit dans le Pokédex, et après, on voit les IV. Bon, pour certains, j'ai peut-être regardé un peu avant. Donc, on a un Gobtou, je crois, c'est ça. Un Gobtou. Ça, ça me rappelle ma jeunesse, hein. Bon, je déconne parce que... Non, c'est Avaltou, pas Gobtou. Parce que, en gros, non, en fait, j'ai commencé sur jaune, rouge et bleu. Est-ce que toi, je peux... Non, je peux pas te faire évoluer. Barloche non plus. Stalgame. Non plus. De toute façon, il me semble que c'est dans la prochaine gen que Stalgame évolue en... Je sais plus quoi. Je sais plus comment il s'appelle ce nom. Donc lui, je vais pas le faire évoluer parce que...
Je préfère le faire évoluer en un coup. Et là, pour le faire évoluer en un coup, il me faudrait 125 bonbons. Donc on en est un peu loin, mais on n'en est pas si loin que ça, mais c'est pas mal. Franchement, j'en suis pas loin, c'est pas mal. Donc voilà, on a fait beaucoup d'évolutions. On a pris, voilà, allez, hop, je suis passé niveau 28 en plus. Donc 10 hyper balls, 10 potions max. Il y a un onyx aussi dans le coin. 200 Pokémon évolués. Il y a un onyx dans le coin. Bon, c'est pas mal. Donc, moi j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la regarder. Dites-moi des conseils pour la prochaine séance d'évolution, capture ou je ne sais quoi. Ou pour une autre vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses que. Là en ce moment, j'essaye de préparer, mais c'est un peu chaud parce que, avec mon travail, bon, je ne vais pas dire que je travaille beaucoup parce que c'est pas vrai. On va pas dire que je travaille beaucoup. Mais on va dire que je travaille. Attendez, on va couper ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, pour vous dire, je travaille pas mal, on va dire. Je travaille à peu près. Pas grand chose, 4 heures par jour, mais c'est 4 heures, 4 heures et demie, voire 5 heures. Mais c'est pas un... voilà, c'est un travail qui est assez épuisant et éprouvant mentalement aussi, et voilà, donc c'est juste pour ça. Mais après, sinon, c'est un bon travail en soi, c'est pas emmerdant de trop et tout, donc non, c'est pas mal, voilà. Donc moi, j'ai vraiment apprécié faire cette petite vidéo, j'espère que vous aussi, et n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Moi, je vous dis à la prochaine, ciao.